Bonjour, on est le 19 février. J'ai déjà fait 32 pastilles la vaisselle. Je ne vais pas refaire 32 pastilles, je vais faire de la poudre pour la vaisselle parce que ça change. Et de 1 et de 2, c'est parce que j'ai mal filmé mes 32 pastilles. J'ai filmé que quand ce n'était pas le moment. On y va ? Donc, il me faut 253 de cristaux de soude. Donc, je vais faire 153 53 pour un pistolet de soude. Je verse. Il m'en faut encore 100 grammes. Donc on y va. Voilà. 100,03. On est sur une recette de droguerie, donc on n'est pas au gramme près. Donc ça fait 253. Avec ceci, en acide citrique, je vais prendre, j'ai encore de celui-ci, je vais le finir, parce qu'il a date dépassée pour la cosmétique. Il m'en faut 165. J'ai un tout petit emballage où il m'en reste un tout petit peu. On va le rajouter. Voilà. Et avec ceci, voilà, 165,27. On essaye de bien fermer d'acide citrique. Avec ceci, on va mettre nos 7 g de SLSA. Nos 7 g. Voilà, 7,28. Donc, on y va. Voilà. Et là, on va mettre nos 21 gouttes. Alors, d'huile essentielle de mandarine jaune qui sent super bon. 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. En profiter pour amener. Six. Sept. Huit, neuf. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, ça colore pas mal, hein. 18, 19, 20, 21, hop là, 22, je pense qu'il y en a eu 22. C'est pas grave. Voilà. Ben, la recette.
recette est finie. On mélange bien. Voilà. Il faut se dire qu'avec les huiles essentielles, vous n'avez pas besoin de désodorisant dans votre lave-vaisselle. Depuis que j'utilise mes poudres pour faire mes pastilles, mon lave-vaisselle ne sent jamais. Voilà, nos poudres elles sont bien mélangées. Elles sentent super bon la mandarine. C'est des odeurs tout à fait naturelles. Voilà. On prend un pot et on transvase nos poudres et on utilisera une cuillère à soupe parce que ça fait à peu près 10 grammes une cuillère à soupe. On va peser. Donc pour l'instant, on va mettre nos poudres lave-vaisselle. Voilà, si vous ne voulez pas vous embêter avec un... Si vous ne voulez pas faire des pastilles, vous pouvez faire que la poudre à la vaisselle. Ça prend encore moins de temps, donc on va peser. Voilà, donc il faut à peu près 10 grammes, donc ça doit être une cuillère à soupe rase. Voilà, ça fait 12, donc ça fait un peu trop. Voilà, une cuillère rase. Voilà, vous avez 8 g 29. Donc 8 g, c'est à peu près bon. Donc une cuillère à soupe rase, c'est suffisant pour vous faire un lave-vaisselle. Ben, c'était tout simple. Ça prend encore moins de temps que pour faire les pastilles lave-vaisselle. Vous essayez de mettre entre 8 et 10 g et ça ira très bien. On va laisser sécher. Les poudres, on va le laisser ouvert le temps qu'il sèche un peu toute l'après-midi. Et puis après, on pourra refermer. C'est juste le temps que les huiles essentielles se vaporisent pour pas qu'il y ait trop d'humidité dans le pot. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Merci, au revoir.